Eu já lavei o meu carro, regulei o som. L'équipe adverse, attention avec cette première passe. Oh, c'est superbe. Un partout avec cette égalisation. Très beaucoup franc parce que habituellement tout le monde, comme on dit, met une mine, frappe fort. Et là, Joe a été surpris parce que il s'y attendait pas. Attention, il est au deuxième poteau, il est tout seul et c'est un but. But de l'Argentine. Petit cafouillage, ouais. Erreur de marquage et puis il se retrouve tout seul. Avec le numéro 8 hier qui donne l'avantage aux Argentins. Les blancs et bleus ciel prennent les devants dans ce match. Avec coup franc, Tayaloui qui a... Voilà la force des Argentins. Au corps à corps, ils vont toujours faire... on croit toujours que c'est l'autre qui fait la faute. Alors qu'au départ, j'ai l'impression que c'est plutôt l'Argentin qui provoque la faute. Expérience que l'Argentine déjà face à Joe. Oh, bien vu de la part de Joe, c'est pas terminé. Quel arrêt de la part de Joe Keeper. Les Tahitiens qui repartent avec Naya Bennett. Ouais, qui reprend le but. Oh, égalisation de Naya. Quel but de Naya qui passe à deux joueurs, a réussi à récupérer le ballon et qui égalise pour Tahiti. Quel retournement de situation alors qu'on pouvait avoir un 3-1. C'est un 2-2 grâce au capitaine emblématique des Tiquitos. Ouais, bien vu. Ouais, une faute sur Tebas Averoni. C'est carton rouge. Carton rouge. Oh oui, il lui a donné un coup de coude, carrément un coup de coude, le numéro 9. Il a pété un câble. Ah, il a pété un câble, donné un coup de coude sur Tebas Averoni. C'est lui qui loupe le pénalty. C'est lui qui loupe le pénalty. Il est resté sur son pénalty et... à la baguette et frappé, c'est un but. 3-2 pour les Tiquitos face à l'Argentine. Les Tiquitos reprennent l'avantage après avoir été menés 2-1 face à ces Argentins. Tayaloui qui contrôle. Ah, ça c'est technique, c'est bien vu. Ifunqui, petite remise en jeu. Oh, oui. C'est superbe! Quel but exceptionnel! Quel but fantastique! Quelle combinaison entre tous ces joueurs! On aurait pu voir le Brésil à un instant. Le ballon a flotté entre les joueurs en l'air. On va revoir cette action superbe avec Tayaloui pour Lifunqui. La baste qui remet et Lifunqui qui termine du gauche au premier poteau. Et c'est un quatrième but, 4-2 pour cette équipe de Tahiti. Ça joue pour la baste. Mo qui frappe et le but. Oh, quel but du gauche de Mo. Raymond Abénette prend le petit coup de patte qui a trompé sa guérison. On voit la joie des Tahitiens. Oh, ils prennent les devants, 5-2. Belle tentative, c'est ce que je disais. Il faut tenter des frappes de loin. Voilà, il ne se presse pas avec la contre-attaque. Voilà, c'est parti là-bas avec Lifunqui. Peut-être pour Bennett. Oui, au deuxième. Bing. Oh là là, quel but exceptionnel. Tayaloui, je suis debout. C'est un but fantastique avec Lifunqui, Bennett et Emmanuel Tayaloui. Les Tiquitos nous régalent. Quel spectacle ce soir. 6-2 pour Tahiti. Attention, deuxième poteau avec cette reprise et le but. 6-3, quel beau but. C'est Hilaire, Santiago Hilaire. Belle volée qui passe au travers de Jonathan Toloya. Lévy face à Toloya pour ce pénalty. Ouais, il a tiré en force au milieu et c'est un but. 6-4. Bien joué pour les Argentins avec Lévy. Et c'est terminé. C'est terminé entre Tahiti et l'Argentine. 6-4, c'est le score final de ce match entre les Tiquitos qui s'imposent face aux Argentins dans ce match amical. C'est une bonne expérience pour les Tahitiens aussi parce que lors de la Coupe du Monde, il ne va pas falloir craquer, il ne va pas falloir s'énerver, garder son calme, garder sa tactique, tout ça, c'est ses points forts et voilà, et travailler.